Salut tout le monde, c'est Lucas. Je fais une vidéo du coup sur Zoba. Donc, bon, j'ai pas fait de vidéo hier, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vais en faire une donc pour me rattraper. Et donc, du coup, aussi on a atteint le cap aussi de la caisse en émeraude. Et devinez quoi, j'ai obtenu un nouveau perso. En plus, c'est un perso que j'ai jamais eu, que j'ai vu pas mal de fois en game, mais pas trop. Hein, mais alors. Si c'était Donna, je pense que j'aurais pu finir le jeu d'une manière plus sereine. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et aussi, il y a une nouvelle mise à jour aussi sur Zoba. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va jouer avec lui. Donc là, le guerrier de la semaine, c'est Phil. Donc on va jouer dans ce mode. Et aussi, du coup, mon nouveau perso, c'est Tony. Voilà, Tony l'hippopotame, donc, que j'appelle souvent Pétasse. Ou d'autres trucs. Donc c'est parti. Donc voilà. Alors Tony, c'est un assassin. Donc qui a pas beaucoup de PV, mais ça compense sa vitesse. Donc du coup, donc c'est un peu un Larry Lowry de Wish. Donc en gros, donc il a un pouvoir qui est plutôt pas mal. Donc c'est son animal de compagnie JJ, donc que j'ai sur suspect MDR. Et du coup, qui peut trouver des amis ou des ennemis, ça dépend hein, des modes. Et du coup, et ça peut être pas mal. Et le talent, du coup, c'est bec rythmé. Donc si Gigi trouve un ennemi, elle l'attaquera. Si elle trouve un ami, elle le soigne. Tant qu'elle reste avec Tony, il verra plus loin dans l'herbe, il sera soigné. Voilà. Donc en arme, il a le gun rafale, la lance bourrade. Lance bourrade, je crois que c'est celle qui fait un dash. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et le tir rapide en arc. Ouais, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors, lance bourrade, je ne sais pas ce que c'est. Non, la lance balayage, c'est quand elle tourne. Ouais, donc là, c'est bien celle qui comment s'appelle qui fait un dash. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Donc, on a atteint le cap de la caisse en émeraude. Donc, il nous reste encore 3 jours pour arriver jusqu'au nouveau perso. Voilà, on a atteint les 6 millions. Donc, ce qui est quand même pas mal. J'espère qu'on y arrivera aujourd'hui. Ou en tout cas au prochain cap. Eh bah très bien. En plus, Tony, tu peux passer au niveau 3. On fera ça à la fin de la vidéo. Hein. Je vais juste faire d'abord les portes. Ah bah je me suis trouvé direct. Eh bah bravo. Hein. Donc on va jouer avec Jacques aujourd'hui. On va pas jouer avec Tony. Je jouerai en off. Si vous voulez, on fait 2 autres games avec Tony. Celle-là. C'est juste pour le fun parce que Jacques il a pas beaucoup de trophées et faut que je le monte. Mais c'est quand même pas mal hein, d'avoir un nouveau perso. Donc j'aimerais bien avoir Donna ou un autre perso que j'ai bien joué. Genre Yaffin ou Donna. Si j'ai l'un des deux, ça suffit que je peux finir le jeu hyper facilement. Mais bon, très facilement je pense selon littéralement. Du coup j'ai perdu 3 trophées sans rien faire. Ça commence super bien. Bon, on fera une game tout à l'heure hein. Donc bah Tony, je sais pas si je peux te faire avancer. Ah non, il passe niveau 2, c'est vrai. Donc, le problème, non j'aurais pas assez. Donc, je peux avoir au moins tout ça. Voilà, mais Tony, on va jouer avec toi. Je sais pas, en solo complet on gagne combien? 67. Bah, si je fais que 67, je pense que Tony va être monté à 5. Donc voyons voir. Hein. Après je sais pas comment il joue en termes de sa portée, etc. Donc il faut que je joue. Après je peux jouer stratégiquement, mais ça dépend des circonstances là encore. Par contre il a une bonne passe PV. Là, on va pas dire que c'est un assassin qui déjà ça. Ah non, il a le gun fusil à pompe. Ah mais c'est pas noté munitions supplémentaires. Ah c'est le fusil à pompe. Donc là c'est une nouvelle arme. Du coup c'est le fusil à pompe qu'il a. Ah ouais, donc là il voit plus loin dans l'air. Mais bah, c'est pété hein. Alors, je vais prendre l'arc. Bon c'est assez fort même si franchement faire que des dégâts de pur
pure allure. Par contre, il se soigne toutes les 3 secondes, hein, je pense. Par contre, c'est assez pété de voir un peu plus dans l'herbe. Par contre, le Nyx, j'aimerais bien le tuer, mais bon, j'arrive pas à le voir. Bah non, parce qu'il a trop peu de portée, ça le problème. En fait, c'est un assassin qui tire de près, et ça, c'est ce que j'aime pas trop. J'aime dans les parties classiques, mais franchement, dans les parties où je dois jouer stratégiquement, c'est vraiment pas facile. Hein. Voilà, bon, attends, on va aller ailleurs, parce que franchement, je vais pas tenter d'aller plus loin. Je vais essayer de chercher des nouvelles armes, parce que là, au secours. Alors, je vais essayer de voir si je mets DJ. J'ai pété son bouclier. Vas-y, attaque! Attaque DJ. Ouais, il veut pas attaquer. Bon, reviens. Ah ouais, en fait, c'est une espèce de boomerang, si je puis dire, là. Oh! Bien! Ok, je récupère ça. Par contre, il résiste très bien, je sais pas pourquoi, à la lave, mais bon. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, hein. C'est assez étonnant qu'un perso résiste bien à la lave, alors que... Ça doit être totalement différent. Oh, il lui restait peu de PV, hein. C'est un truc de ouf. Vas-y, soigne-moi. Par contre, JJ, il est très pratique parce qu'il souffre pas du poison. Ce qui est assez pas mal, hein. Donc en fait, c'est un perso qui peut pas craindre le poison. Ce qui est assez pété, mais bon, hein, il faut juste faire gaffe si on lance JJ à un autre endroit de la map. Par contre, le pire, c'est que j'ai vu un piège, donc s'il tombe dedans, c'est bien fait, mais non, il faut. Par contre, ça va. Hein. A priori, je pense pas que j'aurai de problème. J'ai juste prendre les nouvelles armes. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien, du coup, c'est un perso fusil à pompe. Donc, les persos fusil à pompe, j'arrive à gérer, mais franchement, les guns à pompe, ça va, c'est tranquille. J'ai tapé, mais je sais pas si ces dégâts ont été infligés. Ouais, c'est bon. Mais je te détruis, Nyx, hein. Je suis désolé. Hein. Non, il faut que je fasse gaffe. Vite là! Ça va pas soigner. Ah, parce que j'avais pas de trousse de soins. Oh là là. On va essayer de se soigner avec JJ en attendant. Ça peut nous consoler. Enfin, je sais pas si avec son instinct primaire au niveau 12, que ça permet que JJ genre il redonne plus de PV. Alors, ça, bonne question, mais je le saurai qu'à la fin du jeu, mais enfin, par contre Bruce m'a défoncé au passage, mais bon, c'est pas. C'est grave parce que je gagnais tellement de trophées. Et j'ai une caisse large. En soi, on va pas dire que c'est 100 pièces. Ah bah du coup, je peux donc les plus rapides sur l'eau. Avec JJ, il y a la chute. Non, pas du tout, ça va être une masse. Il y a un nouveau skin pour Power aussi, apparemment. Ah non, pas du tout. D'accord, bah normalement il devrait faire ça. C'est un peu bizarre, hein. Pourquoi ils font des blagues, hein, c'est normal. On va récupérer ce qu'ils ont là. Dis donc, il y a 1 milliard de jetons, on a exploré, c'est juste. Il gagne quand même 30 points. C'est pas ouf. Hein. Bah, on continue d'avancer. Bon, si j'avais fil, bah, j'aurais une caisse en or, mais en tout cas pas aujourd'hui. Dommage, mais bon. Donc là, c'est la dernière game avec Tony. Bon, bien sûr que je vais monter Jack et Tony en hors vidéo à 500 TR, comme ça au moins je peux au moins avancer. Normalement, je devrais bien avancer dans la route des trophées, même si je suis encore assez loin de la Ligue 9, hein, en soi. Parce que mon record, c'est la Ligue 16, hein, je précise, sur mon vrai compte principal. Et donc, bon, j'ai quand même payé au passage, mais quand même, ça reste assez élevé. Purée, non, mais par contre, s'il veut ma peau, l'autre, au secours. Bon, je prends l'arme. L'arme de base est vraiment pourrie. Regardez les dégâts que je fais, c'est dégueulasse. Donc j'ai proc, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais par contre, en termes de flûterie, c'est pas fou, parce que regardez les dégâts que je fais, c'est horrible.
Je veux bien récupérer ça. Tu peux pas arrêter de m'attaquer, s'il te plaît? Ok, nice, j'ai proc. Allez, allez. Mais stop! Merci de me donner un boost, mais bon. Hein. Ça sert à rien. Bon, par contre, ça, je veux bien. Par contre, je peux utiliser JJ. Voilà. Allez, suis l'ennemi, s'il te plaît. Hein. T'as qu'à me revenir vers moi. Putain, tant pis. Bien sûr que. Oh, il y a une lizzie en face. Alors là, je sais pas quoi faire. On va aller par là. Hein. Je sais, c'est une mauvaise idée, mais. En plus, que. En fait, son arme est un peu naze en fait dans l'arc. Je pensais que c'était la mitraillette, mais pas du tout. C'est pas la mitraillette, c'est une autre mitraillette, mais pas dans le même sens. Un peu débile, quoi. Par contre, je veux bien ça. C'est clair, ouais. J'ai dit la boule à hamster pour attaquer, même si franchement. Je suis sûr que la boule à hamster est tellement inutile. Oh, waouh! Ah ouais! Mais ça s'est pété en fait, on peut gérer la distance. Oh là là là. Par contre, Tony il ne meurt pas. Hein. Ça me bat. Je veux pas que tu meurs. Hein. Non! Cache-toi! Nice! Au moins, j'aurai le temps de me soigner. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais prendre la trousse de soins, je vais prendre la boule à hamster. Au moins, je vais me remettre full life. Donc, moi, ça, c'est cool. Mais si j'avais pas tué la chimie, je pense que j'étais mort. En soi, à ce stade, je pense que j'étais mort bien avant. Et du coup, maintenant, je vais la lancer. On a que je demande beaucoup la portée sur Tony. Je pense que ça va être l'essentiel. Parce que là, au secours. Le temps de charge, je pense que oui aussi. Donc en soi, je vais augmenter ça. La projection, peut-être pas. Mais au moins. Par contre, si je peux copier son prier à l'autre là, ça me ferait bien plaisir. Mince, attends, ma boule hamster a été annulée. Comment ça, elle a été annulée? Par contre, mes munitions, elles sont pas à l'infini. Ça, c'est un peu chiant. Eh ben non, pas du tout. Allez hop, je me suis fait zigouiller. Comme ça, moi, je me suis pris une disonnée, donc c'est pas si grave, parce que franchement, la récompense qu'elle m'attendait, c'est 5000 pièces, donc voilà. Donc, par contre, je sais, j'ai peut-être fait une erreur, mais bon. Donc là, ah non, c'est vrai, je peux pas passer niveau 3, et non, grosse erreur, bah oui, hein, faut pas que j'oublie. Bah du coup je vais mettre la caisse de la Ligue 8 en attente. Voilà. En argent je vais mettre un réducteur de Guzzard. Tout pas mal. Donc là ça va être la fin de cette vidéo du coup. Là juste attendre la fin de la pub. Donc là c'est Raid Shadow Legend, on s'en fiche. Oui, Raid Shadow Legend, moi je jouerai pas. Même si j'ai fait un partenariat avec Raid Shadow Legend, ça a pas marché. Les sponsors, des fois, ils sont pas gratuits. Donc c'est sympa pour eux. Et je sais pas pourquoi il y a une icône de skin en bas. Ah, c'est pour accéder directement au skin, d'accord. C'est pas foufou. Par contre, je sais pas pourquoi toi. Ah, parce que c'est vrai, j'avais pas augmenté le truc la dernière fois. Bon, on va augmenter la portée, écoute. Et là, pour Bruce, est-ce que je peux le monter? Bah, peut-être pas. Ouais, parce que c'est 7300 quand même. Que j'ai quand même pas mal de persos à monter. Est-ce que je peux monter Jacques? Dans tous les cas. A priori, ouais, c'est vrai, je peux monter Jacques. Bah, écoute, je vais le monter. En priant que j'aurai assez. Tac. Donc là, j'ai un autre objet en bronze, c'est quoi? Résistance au feu, ce qui est quand même pas mal. Ça reste potable. Donc, je prends le deuxième emplacement d'objet. Et la vitesse au sol. Voilà. Comme ça, normalement, Jacques sera un peu plus bulky. Hop, voilà. Et du coup, en objet, bon, je vais mettre une résistance au feu. Voilà. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère que vous aura plu. On se retrouve, du coup, demain pour la suite. Et n'oubliez pas, tchuss.